Goedemorgen, achte genodigden, leerlingen, docenten en kaderleden. Welkom op de proclamatie van de voorbereidende divisie tot de Koninklijke Militaire School ter afsluiting van het academiejaar 2019-2020. Een zeer speciale proclamatie, want omwille van veiligheidsmaatregelen kunnen ouders, familie en vrienden helaas niet fysiek aanwezig zijn op dit unieke moment. Echter niet getreurd. De volledige proclamatie wordt momenteel gestreamd via Facebook, Campus Safraanberg, geplande evenementen, proclamatie VDKMS. Zodat alle vier ouders, familieleden en vrienden getuigen kunnen zijn van de officiële afsluiting van het academische schooljaar VDKMS 2019-2020. Voor de verwezenlijking van de livestreaming vandaag danken we de technici van DG Stratcom en van de KSOO voor hun inspanningen om ouders, familie en vrienden toch toe te laten om virtueel aanwezig te zijn op dit ongetwijfeld mooie moment in het leven van onze leerlingen. Bonjour, chers invités, élèves, professeurs et membres du cadre. Soyez les bienvenus à la proclamation de la division préparatoire à l'École royale militaire à l'occasion de la clôture de l'année académique 2019-2020. Une proclamation très particulière, car pour des raisons de sécurité, les parents, la famille et les amis ne peuvent malheureusement pas être physiquement présents à ce moment unique. Cependant, ne vous inquiétez pas, toute la proclamation est actuellement diffusée via Facebook, Campus Safraanberg, événement planifié, proclamation des permes, afin que fiers parents, membres de la famille et amis, puissent assister à la fin officielle de l'année scolaire des permes 2019-2020. Pour la réalisation du live streaming aujourd'hui, nous remercions les techniciens de la DG Stratcom et ceux de l'ERSO pour leurs efforts de permettre aux parents, à la famille et aux amis d'assister à ce moment sans doute magnifique dans la vie de nos élèves. Vergeet niet uw gsm terug aan te zetten na de cérémonie. N'oubliez pas de rallumer votre portable après la cérémonie. Voor het begin van de proclamatie moet ik melden dat in geval zich een noodsituatie voordoet, een rustige evacuatie zal georganiseerd worden via de deuren van de ingang, waarlangs jullie zijn binnengekomen, of via de zijdeur aan jullie linkerhand. Omwille van werkzaamheden is het niet mogelijk langs de rechteruitgang naar buiten te gaan. Ook wil ik jullie attent maken op het feit dat we te allen tijden de regels van social distancing blijven respecteren en indien niet kan, dat we het mondmasker dragen. Avant d'entamer cette proclamation, je tiens à vous informer qu'en cas d'urgence, une évacuation en toute sérénité sera organisée par les portes d'entrée via lesquelles vous avez accédé à la salle ou par la porte latérale à votre gauche. Suite aux travaux de construction en cours, il n'est pas possible d'emprunter la sortie à votre droite. Je voudrais également attirer votre attention sur le fait que nous continuons à respecter les règles de la distanciation sociale à tout moment et si cela n'est pas possible, que nous portons le masque buccal. Mag ik nu iedereen vragen om op te staan bij het binnenkomen van de leerkrachten? Puis-je demander à tout le monde de se lever à l'entrée des professeurs? We verwelkomen nu de VIP's. Nous accueillons maintenant les VIP's.
We verwelkomen nu de autoriteiten. Nous accueillons maintenant les autorités. We verwelkomen kolonel stafbrevethouder Jan Abts, commandant van de Koninklijke School voor Onderofficieren en tevens voorzitter van de proclamatie. Nous accueillons le colonel breveté d'état-major Jan Abts, commandant de l'École royale des sous-officiers, également président de la proclamation. U mag gaan zitten, vous pouvez vous asseoir. Het verloop van de proclamatie is als volgt. We beginnen met de toespraak van kolonel stafbrevethouder Jan Abts, commandant van de Koninklijke School voor Onderofficieren, en deze van majoor van het vliegwezen, stafbrevethouder ingenieur Yves Deneve, commandant van departement technische vorming. La proclamation se déroulera comme suit. Nous commencerons par l'allocution du colonel breveté d'état-major Jan Abts, commandant de l'École royale des sous-officiers, et celui du major d'aviation breveté d'état-major ingénieur Yves Deneve, commandant du département formation technique. Vervolgens gaan we over tot het proclameren van de resultaten en het uitreiken van de prijzen. Daarna blikken de promotieverantwoordelijken VDKMS terug op het voorbije jaar. Alvorens af te sluiten met de nationale hymne, zullen enkele ouders getuigen over hoe zij het schooljaar ervaren hebben en zal commandant van het vliegwezen Jean-Paul Bosmans zich een laatste keer tot de leerlingen richten. Ensuite, nous procéderons à la proclamation des résultats des élèves et à la remise des prix. Puis, ce sera le tour aux responsables de promotion de jeter un regard sur l'année qui vient de s'écouler. En guise de conclusion, avant de clôturer la cérémonie par l'hymne national, quelques parents témoigneront de la façon dont ils ont vécu l'année scolaire et le commandant d'aviation Jean-Paul Bosmans s'adressera une dernière fois aux élèves. Mag ik nu kolonel stafbrevethouder Jan Abts uitnodigen om het woord te nemen? J'invite le colonel breveté d'état-major Jan Abts à prendre la parole. Geachte genodigden, beste leraars, leraressen, leerlingen, ouders, beste collega's. Chers invités, chers professeurs et élèves, parents, chers collègues. Ik heet u allen van harte welkom op de proclamatie van de leerlingen van de voorbereidende divisie op de Koninklijke Militaire School. Ik wil in het bijzonder onze sponsors danken die het opnieuw mogelijk hebben gemaakt dat we over enkele ogenblikken een aantal verdienstelijke leerlingen in de bloemetjes zetten. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à la proclamation des élèves de la division préparatoire à l'École royale militaire. Je souhaite remercier plus en particulier nos sponsors qui ont à nouveau permis la mise à l'honneur de certains étudiants méritants. Je souhaite également la bienvenue aux parents et amis de nos candidats qui suivent cette cérémonie en live streaming. Il est dommage que nous ne puissions pas vous accueillir à l'école, mais j'espère que cette solution vous permettra également de partager quelque peu la joie de votre fille ou de votre fils à un moment important de leur jeune carrière. Ik heet ook de ouders en de vrienden van onze leerlingen welkom die deze plechtigheid volgen via livestreaming. Het is jammer dat we jullie niet in de school kunnen verwelkomen, maar ik hoop dat deze oplossing ook toelaat om toch enigszins in de vreugde van uw zoon of van uw dochter te delen op een belangrijk moment in hun nog jonge loopbaan.
Vandaag wil ik dan ook vooral de leerlingen feliciteren die aan het einde gekomen zijn van een veel eisend jaar dat voor de meesten onder jullie half augustus 2019 begon, voor sommigen in januari. Jullie moesten jullie comfortzone verlaten, jullie maakten kennis met de basisbeginselen van het militaire leven en jullie werden vooral onderworpen aan een druk academisch programma. Het eerste doel daarvan is het slagen in de toelatingsproeven voor de Koninklijke Militaire School. En of we ons werk goed hebben gedaan, zal dus maar over enkele weken aangetoond worden. Maar ik heb alleszins alle vertrouwen in een goede afloop. De VDKMS heeft haar waarde in dit verband meermaals bewezen. Aujourd'hui, je souhaite surtout féliciter les élèves qui sont arrivés à la fin d'une année exigeante qui a débuté à la mi-août 2019 pour la plupart d'entre vous, en janvier pour d'autres. Vous avez dû quitter votre zone de confort, faire connaissance avec les principes de base de la vie militaire et surtout être soumis à un programme académique chargé. Le premier but étant de réussir les examens d'admission à l'École royale militaire. Si nous avons fait du bon travail, cela ne sera démontré que dans quelques semaines. Mais j'ai toute confiance en un bon résultat. Dans ce contexte, la DEPERM a prouvé sa valeur à de très nombreuses reprises. Mais en plus de vous apporter un bagage académique, la DEPERM vous a aussi formé pendant des mois sur le plan sportif et caractériel. Et cette formation a été rendue possible par l'apport ou le renforcement des normes et valeurs, mais aussi par le vivre ensemble et le travail en groupe. Et quel que soit le résultat des épreuves d'admission dans quelques semaines, ce bagage moral, sous la forme d'autodiscipline, de politesse, de solidarité, de confiance en soi et de sens de l'initiative, vous accompagnera de toute manière au long de votre vie. Maar naast het bijbrengen van academische bagage heeft de VDKMS jullie in de voorbije maanden ook gevormd op sportief en karakterieel vlak. Die vorming gebeurde door het bijbrengen of door het versterken van normen en waarden, maar ook door het samenleven en samenwerken in groep. Wat ook het resultaat mag zijn over enkele weken van de toelatingsproeven, deze morele bagage onder de vorm van zelfdiscipline, beleefdheid, solidariteit, zelfvertrouwen, zin voor initiatief, die zullen jullie sowieso meedragen voor de rest van jullie leven. Jullie verblijf in deze school werd natuurlijk getekend door de tragedie die ons land doormaakt sinds begin maart. Jullie promotie zal voor altijd de geschiedenis ingaan als de coronapromotie. Het heeft me echter bijzonder verheugd dat niemand bij de pakken is blijven zitten. Nog jullie, nog de kaderleden, nog de leraars of leraressen. En ik ben bijzonder fier op het feit dat de onderbreking van het contactonderwijs in de school gedurende 2 maanden niet geleid heeft tot het onderbreken van onze vormingsopdracht. En voor de geleverde inspanningen en de getoonde motivatie en weerbaarheid wil ik iedereen dan ook van harte danken en feliciteren. Votre séjour dans cette école a évidemment été impacté par la tragédie endurée par notre pays depuis début mars. Votre promotion restera à jamais dans l'histoire comme la promotion Corona. Cependant, je suis très heureux que personne n'ait été laissé pour compte, ni vous, ni les membres du cadre, ni les professeurs. Je suis fier du fait que l'interruption de l'enseignement à l'école, et ce pendant 2 mois, n'a pas empêché notre mission de formation. Et je voudrais remercier et féliciter chacun d'entre vous pour les efforts fournis, pour la motivation et pour la résilience démontrée. Ik wil in het bijzonder de kaderleden en de leraars van de VDKMS van harte danken voor het gepresteerde werk, voor jullie vakkennis, voor jullie motivatie en jullie beschikbaarheid. Het onbetwiste hoge niveau van de vorming
heeft ermee toegeleid dat de VDKMS de toekomst met vertrouwen mag tegemoet zien. Het voorbije jaar hebben we de eerste testcase uitgevoerd om de opdrachten van de voorbereidende divisie uit te breiden en de recruteringsinspanningen van Defensie nog beter te ondersteunen. Volgend academiejaar gaan we ook van start met de voorbereidende divisie voor de kandidaten techniekers. Ik dank jullie voor de constructieve manier waarop jullie met deze wijzigingen zijn omgegaan en nog zullen omgaan. Je tiens particulièrement à remercier les membres du cadre et les professeurs de la DEPERM pour le travail presté, pour vos connaissances professionnelles, votre motivation et votre disponibilité. Le niveau de formation élevé et incontesté signifie que la DEPERM peut envisager l'avenir avec confiance. L'an dernier, nous avons réalisé le premier test case pour étendre la mission de la division préparatoire et mieux soutenir encore les efforts de recrutement de la division de la défense. L'année prochaine, nous commencerons également la division préparatoire des candidats techniciens. Je vous remercie donc pour la manière constructive avec laquelle vous avez fait face et continuerez à faire face à ces changements. Chers élèves, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout le meilleur pour l'avenir. Faites tout pour que votre rêve devienne réalité en commençant par réussir ces épreuves d'admission. Et à ceux qui doutent du résultat, je tiens à rappeler la situation dans laquelle vous vous trouviez il y a un an. Vous avez aujourd'hui au moins 3 longueurs d'avance sur les autres candidats qui n'ont pas bénéficié de la préparation au sein de la DEPERM. Vos cadres m'ont dit à plusieurs reprises que vous formiez une excellente promotion et je suis donc sûr que vous allez performer. Beste leerlingen, er rest mij niets anders dan jullie het allerbeste toe te wensen voor de toekomst. Doe er alles aan om jullie droom waar te maken. Te beginnen met het slagen in de toelatingsproeven. Aan diegenen die twijfelen over de goede afloop, wil ik de situatie in herinnering brengen waarin u zich 1 jaar geleden bevond. Vandaag hebben jullie minstens 3 lengte voorsprong op al die andere kandidaten die niet hebben kunnen genieten van de voorbereiding in de VDKMS. Jullie kaderleden hebben me herhaaldelijk gezegd dat jullie een uitstekende promotie waren en ik ben er dan ook zeker van dat jullie geweldig gaan presteren. Make us proud. Je vous remercie pour votre attention. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u, kolonel. Ik geef nu het woord aan majoor van het vliegwezen, stafbrevethouder, ingenieur Yves de Neve, commandant van departement technische vorming. Je donne à présent la parole au majeur d'aviation breveté d'état-major ingénieur Yves de Neve, commandant du département formation technique. Geachte genodigde kandidaat en ouders achter jullie schermen. Welkom op deze proclamatie van het departement technische vorming voorbereidende divisie op de Koninklijke Militaire School. Chers invités, candidats et parents derrière vos écrans, soyez les bienvenus à cette proclamation du département de formation technique, division préparatoire à l'École royale militaire. Nous tenions à organiser tout de même cette proclamation pour signifier que cette promotion se termine malgré tout avec fruit et que nous pouvons légitimement féliciter nos élèves. We wilden absoluut deze proclamatie organiseren om aan te tonen dat deze promotie, ondanks alles, tot een succesvol einde is gekomen. Hiervoor willen we dan ook onze leerlingen oprecht feliciteren. Cette année, avant et pendant le Covid, l'accent était mis sur l'académique. Peu d'écoles présentent une grille horaire hebdomadaire de 42 périodes de cours de 50 minutes. Je suis persuadé que nos professeurs ont très bien préparer nos élèves pour l'examen d'admission à l'École royale militaire. Tijdens het voorbije schooljaar, voor en tijdens de COVID, lag de klemtoon op het academisch. Weinig scholen kennen een uurrooster met 42 lesperiodes van 50 minuten per week. Ik ben er dan ook van overtuigd dat onze leerkrachten onze leerlingen uitstekend hebben voorbereid op de toelatingsproef van de KMS.
Nous n'avons pas pour autant négligé la formation au niveau caractériel. Tout au long de l'année, nous avons essayé d'inculquer, ou plutôt de renforcer des valeurs essentielles telles que la discipline, le respect des autres, la politesse, le sens de l'effort ou encore l'esprit de groupe et de solidarité. Ondanks het druk academisch programma hebben wij de karakteriële vorming zeker niet verwaarloosd. Daarom hebben wij gedurende het afgelopen schooljaar getracht bepaalde waarden zoals discipline, wederzijds respect, beleefdheid, zin voor initiatief, maar ook vooral ook groepsgeest en solidariteit aan te brengen of te versterken. J'aimerais encore adresser quelques mots au cadre militaire et professoral. Ik wens nu me te richten tot het militaire kader en het lerarenkorps. Chers collègues, cette année fut encore plus spéciale que d'habitude et a été remplie de défis. Et l'année prochaine le sera également avec la mise en place de la formation préparatoire à la carrière de sous-officier technicien, la DPTEC. Mais notre mission principale restera inchangée, préparer de jeunes adultes à une vie au sein de la Défense. Je suis persuadé que grâce à votre sérieux et votre engagement, les résultats enregistrés par nos élèves resteront toujours aussi bons. Et donc oui, merci à tous ceux qui s'investissent dans leur mission et permettent à notre département de remplir ses missions et d'aller de l'avant. Beste collega's, dit jaar was nog specialer dan anders en zat vol uitdagingen. Ook volgend schooljaar zal uitdagend worden met de implementering van de voorbereidende vorming op de loopbaan van de onderofficieren-technikers, de VDTEC. Maar onze primaire opdracht zal dezelfde blijven. Jonge volwassenen voorbereiden op een leven in defensie. Ik ben ervan overtuigd dat dankzij jullie inzet en positivisme onze leerlingen ook in de toekomst goede resultaten zullen behalen. Ik wil iedereen oprecht bedanken die zijn of haar werk en opdracht ter harte neemt en er mede voor zorgt dat onze departement blijft functioneren en vooruitgaan. Cher candidat, une année à la DPERM est toujours unique et ardue. Cette année fut certainement, pour tout le monde, très spéciale. Il est certain que vous n'avez pas rigolé tous les jours, mais je suis certain que sur beaucoup d'aspects, elle sera inoubliable et positive. Le 13 mars, les responsables de la Défense ont pris la décision difficile et courageuse de suspendre les cours dans les quartiers jusqu'au 18 mai. Vous avez pu constater que cette décision était visionnaire et réaliste. Cela devrait encore renforcer la confiance dans l'organisation et confirmer le choix de carrière que vous avez fait. Votre préparation n'a pas été optimale, mais vous serez toujours mieux préparé que vos concurrents des autres écoles. Je vous souhaite bonne chance pour demain et les jours à venir, pour votre carrière et votre vie future. Beste kandidaat, één jaar bij de VDKMS is altijd uniek en zwaar. Dit jaar was ongetwijfeld voor iedereen heel speciaal. Het staat vast dat het zeker niet elke dag een pretje was. Maar ik ben er zeker van dat het op veel vlakken een onvergetelijk en positief ervaring zal blijven. Op 13 maart namen de defensiechefs de moeilijke en moedige beslissing om de lessen in de school te schorsen tot 18 mei. Deze beslissing is voorzienend en realistisch gebleken. Laat dit jullie vertrouwen in onze organisatie verder versterken en jullie carrièrekeuze bevestigen. Jullie voorbereiding is niet optimaal geweest, maar jullie zullen nog steeds beter voorbereid zijn dan jullie concurrenten van andere scholen. Kandidaat, ik wens jullie veel succes voor overmorgen en de komende dagen, voor jullie carrière en voor jullie toekomstige leven. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et vous souhaite encore une fin de journée agréable. Dames en heren, ik dank u voor uw aandacht en wens jullie nog een prettige dag. Dank u wel. Merci, Major. Nous passons maintenant à la proclamation des résultats et je voudrais demander que la classe proclamée se lève et avance. Veuillez n'applaudir qu'au moment où la classe entière sera proclamée.
We gaan nu over tot het bekendmaken van de resultaten. Mag ik vragen dat de klas die geproclameerd wordt recht staat en naar voren komt? Gelieve pas te applaudisseren na afroeping van de volledige klas. Voorbereiding op de faculteit polytechniek. Préparation à la faculté polytechnique. Klas néerlandophone. Zijn geslaagd met vrucht. Timon de Klerk. Maaike Eekhout. Cédric Serlet. Andreas Siokos. Geslaagd met voldoening. Ilias Cormon. Tom de Vadder. Merlijn Truits. Juri Winkelmans. Geslaagd met onderscheiding. Toon Evans. En Stan van de Keren. Klas Polytechniek. A suivi la formation. Guérin Véliquet. Avec fruits. Jonathan Cato. Marie Deblon. Maxime Guillain. Sacha Hardy. A réussi avec satisfaction. Mohamed Bouzaïen. Martin Cochard. Alexandre de Mérode. Victoria Dué. Brian Fontaine. Florian Van Hoek. Hugo Van Loo. Noémie Van Roosbroek. On réussit avec distinction. Hugo Carpio. Et Théo Ronvaux. Voorbereiding op de faculteit sociale en militaire wetenschappen. Préparation à la faculté sciences sociales et militaires. Nederlandstalig.
hebben de vorming gevolgd. Dario Formant, Toon van Dijk. Geslaagd met vrucht, Paul Goossens, Caro Sutterland, Bram van Peel, Guillaume van den Broek, Pieter-Jan Vrolijks. Geslaagd met voldoening, Marnik Baptiste, Dimitrios Bouritis, Thomas de Beukelaar, Lieven de Greve, Harald de Vos, Janne Hallé, Carlina Rozen, Nicolas van Houten, Olivier van Doorn, Aaron Vekemans en Seppe Vonks. Geslaagd met onderscheiding, Mathis de Meijer, Anne-Sophie Quanten, Sander van der Stichelen, Rex Verdonk en Hugo Zachman. Klas SSM. Ont suivi la formation Nasser Bakali Karfa, Rui Santiago de Barros, Camille Désirant, Cyriac Dumont de Chassard, Bora Kilic, Marie Martin, Mathieu Vastiot. On réussit avec fruit Anaï de Batz, Quentin de Becker, Simon Dubois, Adèle Goffin, Adrien Razir, Lucie Salieri et Niels van den Driessche. Traditiegewijs zullen een aantal verdienstelijke studenten een aanmoedigingsprijs ontvangen. Ik heb de eer en het genoegen de namen bekend te maken van de winnaars van de aanmoedigingsprijzen voor het academiejaar 2019-2020. Selon la tradition, un prix d'encouragement sera maintenant remis à un nombre d'étudiants méritants. J'ai l'honneur et le plaisir de proclamer les noms des gagnants des prix d'encouragement pour l'année académique 2019-2020. De eerste vier prijzen werden gesponsord door Siemens Industry Lifecycle Management Software Incorporated en de Burger Militaire Samenwerking Sint-Truiden. Les quatre premiers prix sont offerts par Siemens Industry Lifecycle Management Software Incorporated et la coopération de Burger Militaire Samenwerking Sint-Truiden.
Prijs van de kandidaat Polytechniek, Prix du candidat Polytechnique. De prijs van de kandidaat Polytechnieker wordt op advies van de klasseraad toegekend aan de kandidaat die gedurende het ganse jaar de beste resultaten leverde tijdens de voorbereiding op de faculteit Polytechniek. De prijs wordt overhandigd door majoor van het vliegwezen, stafbrevethouder ingenieur Yves de Neve, commandant van het departement Technische Vorming. De prijs voor de Nederlandstalige leerlingen wordt toegekend aan Toon Evans. Le prix du candidat polytechnicien est attribué au candidat qui, de l'avis du conseil de classe, a effectué tout au long de l'année les meilleurs résultats durant la préparation à la faculté polytechnique. Le prix est remis par le major d'aviation breveté d'état-major ingénieur Yves Deneve, commandant du département formation technique. Le prix pour les élèves francophones est attribué à Théo Ronvaux. Prijs van de kandidaat Sociale en Militaire Wetenschappen. Prix du candidat Sciences Sociales et Militaires. De prijs van de kandidaat Sociale en Militaire Wetenschappen wordt op advies van de klasseraad toegekend aan de kandidaat die gedurende het ganse jaar de beste resultaten leverde tijdens de voorbereiding op de faculteit Sociale en Militaire Wetenschappen. De prijs wordt overhandigd door kolonel stafbrevethouder Jan Abts, commandant van de Koninklijke School voor Onderofficieren. De prijs voor de Nederlandstalige leerlingen wordt toegekend aan Mathis de Meijer. Le prix du candidat Sciences Sociales et Militaires est attribué au candidat qui, de l'avis du conseil de classe, a effectué tout au long de l'année les meilleurs résultats durant la préparation à la faculté Sciences Sociales et Militaires. Le prix est remis par le colonel breveté d'état-major Jan Abts, commandant de l'École royale des sous-officiers. Le prix pour les élèves francophones est attribué à Simon Dubois. Prijs van de kameraadschap TPCI. Prix de la camaraderie TPCI. De prijs van de kameraadschap wordt toegekend door de leerlingen zelf aan diegenen die volgens hen de beste resultaten behaalden in alle domeinen, zonder natuurlijk de samenwerkingsgeest in de kameraadschap te vergeten. Hij of zij was altijd oprecht ten aanzien van zijn of haar medeleerlingen, wat door hen dan ook werd erkend en vertaald naar deze prijs. De prijs wordt gesponsord door de Koninklijke Vereniging der Oud-Troepskinderen, Pupillen, Kadetten en Intermachters van het leger en overhandigd door kolonel stafbrevethouder op rust, Bertrand Hayé, ingenieur en voorzitter van het TPCI. Voor de Nederlandstalige leerlingen wordt de prijs toegekend aan Toon Evans.
Le prix de la camaraderie est attribué par les élèves eux-mêmes à celui de leur père qu'ils considèrent comme le meilleur dans tous les domaines de la formation dispensée à la division préparatoire, sans oublier le nécessaire esprit de groupe et de camaraderie pendant la formation préparatoire. Il a toujours été loyal envers le cadre et ses camarades, c'est pour ces raisons qu'il est proposé pour ce prix. Le prix est sponsorisé par la Société royale des anciens enfants de troupes, pupilles, cadets et interforces de l'armée et est remis par le colonel breveté d'état-major en retraite, Bertrand Hayé, ingénieur, président du TPCI. Pour les élèves francophones, le prix est attribué à Hugo Van Loo. Prijs voor de sterkste vooruitgang. Prix pour la meilleure progression. De prijs voor de sterkste vooruitgang wordt toegekend aan de kandidaat die gedurende het academiejaar de sterkste vooruitgang boekte. De prijs wordt gesponsord door de gemeente Hoesselt en de stad Sint-Truiden en overhandigd door mevrouw Ingrid Kempeneers, derde schepen van de stad Sint-Truiden. Voor de Nederlandstalige leerlingen wordt de prijs toegekend aan Juri Winkelmans. Le prix pour la meilleure progression est attribué au candidat qui a effectué tout au long de l'année académique la meilleure progression. Le prix est sponsorisé par la commune de Hoesselt et la ville de Saint-Trond et est remis par Mme Ingrid Kempeneers, troisième échevin de la ville de Saint-Trond. Pour les élèves francophones, le prix est attribué à Adrien Razir. De Sportprijs, le prix de sport. Le prix de sport est attribué au candidat masculin et à la candidate féminine qui, tout au long de l'année, ont obtenu les meilleures notes en sport. Le prix est sponsorisé par Siemens Industry Lifecycle Management Software Incorporated et est remis par le colonel breveté d'état-major Thierry Hinnekens, Chief Operations and Training, ACOS Ops and Training. Pour les femmes, le prix est attribué à Camille Désirant. De sportprijs wordt toegekend aan de mannelijke kandidaat en de vrouwelijke kandidaten die de beste cijfers behaalden voor sport gedurende het hele jaar. De prijs wordt gesponsord door de Siemens Industry Lifecycle Management Software Incorporated en overhandigd door kolonel stafbrevethouder Thierry Hinnekens, Chief Operations and Training ACOS Ops and Training. Voor de mannen wordt de prijs toegekend aan Seppe Vonks. Prijs van de meest verdienstelijke kandidaat, prix du candidat le plus méritant.
De prijs voor de meest verdienstelijke kandidaat wordt toegekend op basis van de adviezen die uitgebracht door het militaire kader en het professorenkorps aan de leerling die zich gedurende het ganse jaar onderscheiden door zijn goed gedrag, zijn zin voor discipline, zijn studieijver en zijn onberispelijke houding. Deze prijs wordt gesponsord door de Service Club Kiwani Sint-Truiden, Haspengouw, overhandigd door de heer Karel Sweldens, voormalig voorzitter van de Service Club Kiwani Sint-Truiden, Haspengouw. Voor de Nederlandstalige leerlingen wordt deze prijs toegekend aan Marnik Baptist. Le prix du candidat le plus méritant est attribué sur base des avis exprimés par l'ensemble du cadre militaire et du corps professoral à l'élève qui, tout au long de l'année, s'est le plus distingué par sa bonne conduite, son sens de la discipline, son application aux études et son attitude irréprochable. Ce prix est sponsorisé par Siemens Industry Lifecycle Management Software Incorporated et est remis par M. Karel Sweldens, ancien président du Service Club Kiwani Sint-Truiden Haspengouw. Pour les élèves francophones, le prix est attribué à Brian Fontaine. En uiteindelijk, de prijs luitenant-generaal Georges Bernhards. Et enfin, le prix lieutenant-général Georges Bernhards. Deze prijs wordt toegesponsord door het onderling steunfonds luitenant-generaal Georges Bernhards en stelt buiten haar materiële waarde een rolmodel voor. Een uitzonderlijk militair die je inspireert bij het ontwikkelen van je persoonlijke vaardigheden. Een fakkel die je weg verlicht om je te helpen de ladder van de veeleisende, maar succesvolle carrière te beklimmen. Waarbij de waarden van een morele en intellectuele standvastigheid, van solidariteit en van menselijkheid je zullen helpen. De prijs wordt uitgereikt door professor emeritus Wally Struijs, voorzitter van het onderling steunfonds luitenant-generaal Georges Bernhards. Voor de Nederlandstalige leerling wordt deze prijs toegekend aan Caro Sutterland. Le prix est sponsorisé par le fonds d'entraide lieutenant-général Georges Bernhards et au-delà de sa valeur matérielle, le prix propose un modèle, un militaire exceptionnel qui vous inspire dans le développement de vos qualités personnelles, un flambeau qui éclaire votre route afin de vous aider à gravir les échelons d'une carrière exigeante mais riche, que les valeurs de rigueur morale et intellectuelle, de solidarité et d'humanité vous aideront à rendre exaltante. Le prix est remis par le professeur émérite Wally Struijs, président du fonds d'entraide lieutenant-général Georges Bernhards. Pour les élèves francophones, le prix est attribué à Jonathan Cato.
mag ik nu vragen aan de twee promotieverantwoordelijken om naar voren te komen. Puis-je à présent inviter les deux responsables de promotion à s'avancer. Leerling Evans en leerling Cato zullen terugblikken op het voorbije academiejaar. L'élève Evans et l'élève Cato passeront en revue l'année académique écoulée. Goedemiddag, kolonel, kolonels, kaderleden, dames en heren in al uw titels en hoedanigheden. Wij leerlingen van de VDKMS waarderen jullie aanwezigheid op deze proclamatie ten zeerste. Het is ondertussen 1 jaar geleden dat we hier aankwamen in Safraanberg en aan onze militaire initiatiefase begonnen. In deze periode kregen we lessen, reglement en kaartlezen en ging iedereen tot het uiterste in de marsen die we deden. Daarnaast probeerde de CSM het idiotisme uit ons te halen en leerden we tijdens drill dat onze linkervoet degene is waar onze dikke teen recht staat. Er werd snel duidelijk gemaakt wat er van ons verwacht werd en hoe we ons moesten gedragen. Indien we niet luisterden, vonden de CSM en de luitenant het geen probleem om een minuutje of 5 te planken. We verwierven de militaire basiskennis en de CSM's beantwoordden samen met commandant Bosmans al onze vragen. Na een weekendje, toch wel verdiende rust, startten de lessen. De studies waren dan ook het belangrijkste dit jaar, aangezien we allemaal willen binnengeraken op de KMS en er ook liefst willen blijven. Tijdens de les Frans leerden we meneer Hellings kennen en natuurlijk ook zijn Luxemburgse, Zwitserse, Joodse, Arabische mama. Daarnaast was er mevrouw Govaerts, die altijd vol energie zat en na een slechte toets klaar stond met een cadeautje. Dan was er ook meneer Ophoff, die ons af en toe iets over zijn passies of straffe verhalen te vertellen had. Bij Nederlands, dus mevrouw Maziers en mevrouw de Boeveren, oefenden we syntheses tot ze ons de oren uitkwamen en leerden we woorden zoals bedouinententen en bedonkedonk. Terwijl we voor Engels dan weer tal van presentaties deden. Meneer Mevis legde de lat zeer hoog in zijn lessen en daardoor werden die ook een hele uitdaging. Mevrouw Dooms zag ons als haar kleine kapoentjes en bracht nu en dan iets lekkers voor ons mee. Voor wiskunde kregen we ook les van meneer Van Deun, die ons met trots zijn velomobiel liet zien. Al deze leerkrachten hebben alles gegeven om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens. En dat ieder op zijn of haar eigen manier. Zelfs toen ons land getroffen werd door de coronacrisis en we allemaal thuis zaten, bleven ze ons nieuwe leerstof geven. Dingen liepen dan wel anders dan gepland, maar door hun inzet werden we toch verder voorbereid. Bovendien zorgden de kaderleden ervoor dat we bij terugkomst op de campus de lessen in alle veiligheid terug konden aanvatten. Waarvoor hartelijk dank. Naast de voorbereiding op de theoretische testen werden we natuurlijk ook fysiek klaargestoomd door de afwisselende kracht- en looptrainingen van PTI van Eindsbergen. We gaven ons helemaal tijdens die sportlessen en sommige gingen net iets te diep. In januari kregen we er een race nieuwe leerlingen bij. Ondanks dat we hiervoor in het begin een beetje schrik hadden, verliep alles vlot. De nieuwe leerlingen integreerden snel en werden mede door de sportdag op de KMS goed opgenomen in de groep. Dit jaar vonden heel wat leuke activiteiten plaats. Van marsen tot het bezoeken van eenheden en een kijkje gaan nemen op het winterkamp van de KMS. Door COVID-19 zijn er echter ook heel wat activiteiten niet kunnen doorgaan, wat zeer spijtig is, maar daar kan niemand iets aan doen. We zorgen dan ook zelf voor sfeer, de uitgang op woensdagavond met alle gevolgen van dien, een keer kaarten met een glaasje cola of iced tea, onnozel doen in de klas of in het peloton
En voor mij waren dat de momenten die ertoe deden. Samen plezier maken, samen lachen. Ondanks die toffe momenten heeft iedereen ook wel eens een mindere dag gehad hier op de campus. Maar dan waren er altijd vrienden die klaar stonden om elkaar te steunen en eens een babbelje te doen. Het is gewoon zo dat we een zeer hechte groep zijn waarin iedereen gerespecteerd wordt, wat ik zeer hard apprecieer. Ten slotte wil ik iedereen die bijgedragen heeft aan dit fantastische jaar bedanken. Zowel de CSM's en de commandant, als de leerkrachten en PTI's. Maar vooral mijn medeleerlingen, mijn kameraden. Ik kan me geen betere pelotonsgenoten wensen. Het was dan ook een eer om dit jaar met jullie te kunnen doorbrengen. Ik hoop dat jullie allemaal slagen op de examens en ik wens jullie allemaal heel veel succes met jullie verdere opleiding. Kolonels, dames en heren, dank u wel voor jullie aandacht. Mon colonel, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, c'est un honneur de me tenir devant vous en ce jour particulier afin de m'exprimer au nom de ma promotion. Souvenez-vous, il y a 10 mois, le 13 août 2019, nous étions déjà rassemblés dans cette salle avec nos familles lors de la corporation. Des jeunes de tous horizons et des 4 coins de la Belgique se rencontraient pour la première fois. Que de chemin parcouru depuis. Cette année à la Déperme fut une année particulière qui restera à jamais gravée dans nos mémoires. Elle a été, pour nous tous, source de changements, aussi bien personnels, académiques, sportifs que familiaux. D'abord par son caractère peu commun avec ce que nous avions préalablement vécu dans la vie civile, mais aussi par rapport aux circonstances particulières propres à la situation sanitaire mondiale. Une année à la Déperme commence par une initiation militaire. Au programme du drill, l'apprentissage des règles militaires et des règles propres au campus, du drill, de la lecture de cartes, du drill, des marches avec sac, sans sac, courtes, longues, de jour, de nuit, du drill, de la pression et parfois tout en même temps. La transition fut plus ou moins radicale selon les candidats, mais cette expérience nous a transformés sans exception. Cela nous a forcés à vivre en groupe, à coopérer, à nous débrouiller, à gérer le stress et à nous dépasser physiquement et mentalement. Le mois de septembre marque le début de l'année académique. Des maths et encore des maths, mais aussi des cours de langue, français, néerlandais et anglais, de la physique, de la chimie, de l'histoire, quelques heures d'actualité et bien sûr du sport. L'année est agrémentée d'activités militaires, petite piqûre de rappel de ce qui différencie notre formation d'un cursus civil. Celles-ci sont diverses, alternant des marches au départ de sites militaires et parcourant des régions splendides et des visites en unité pour découvrir les différents métiers et composantes de la défense. Je vous le disais précédemment, cette année n'a pas été une année comme les autres, et c'est peu de le dire. Nous avons d'abord eu la chance d'incorporer 13 nouveaux candidats en janvier, et nous devions en incorporer quelques autres en avril. Mais nous avons surtout été confinés durant 9 semaines à cause de la Covid-19. Nous avons appris le jeudi 12 mars en fin de soirée que le pays était confiné pour une durée à déterminer. Le colonel nous a confirmé le vendredi matin que nous quittions le campus sans connaître la date de retour. Cette situation inattendue a été déroutante pour certains, mais nous avons essayé tant que faire se peut de garder notre rythme de vie militaire et de continuer de travailler pour notre objectif final qu'est l'entrée à l'École royale militaire. Une autre conséquence de cette pandémie a été l'annulation de toute une série d'activités initialement prévues, à commencer par le pèlerinage à Lourdes, mais aussi des visites en unité, les dernières marches, le barbecue de fin d'année et surtout les examens. La situation post-confinement est aussi à souligner. Les classes ont été divisées, les règles sanitaires renforcées et le port du masque rendu obligatoire. Toute notre routine a été adaptée. Voyons le positif, tout cela fait partie des choses qui ont rendu cette année unique. D'aucuns nous considèrent parfois comme des enfants, des jeunes fraîchement sortis de rhétorique, ou presque, sans armes et encore naïfs. Mais cette année nous a fait énormément gagner en maturité. Nous sommes certes des jeunes, mais ce qui nous rassemble, ce sont les valeurs militaires et le sens que donne une carrière à la défense. Et comme aime nous le répéter notre CSM, nous sommes le fer de lance de la défense. Je voudrais conclure ce discours par des remerciements. Tout d'abord, merci à nos professeurs. Madame Kettelsleggers pour la transmission de son amour de la langue, dont son impressionnante maîtrise est à souligner, et pour sa profonde gentillesse. Madame Olivier pour sa rigueur et ses conseils précieux et ciblés.
Mesdames Anin et Thomas pour leur aide dans la dernière ligne droite avant l'examen d'entrée. Monsieur Anniker pour ses conseils avisés sur les subtilités de la langue, pour la transmission de sa passion du néerlandais et de nous avoir initiés au Fingerspitzengefühl. Monsieur Vermeeren pour son approche mathématique artisanale plus spontanée, en dehors des habituelles approches théoriques. Monsieur De Stocky de nous avoir formés et poussés à être pointilleux et rigoureux. Monsieur Segers pour les débats, parfois enflammés, et le travail sur notre esprit critique, sans oublier les cours d'histoire. L'adjudant Janssen, pour sa capacité à nous apprendre énormément de choses de manière ludique et novatrice. Le PTI Camus pour ses séances de sport courtes, mais intensives, et son franc-parler. Tous ces professeurs passionnés nous ont donné l'envie d'apprendre, et par leur complémentarité, nous ont permis de voir les choses sous différents angles. Merci à vous tous de nous avoir tant appris. Je voudrais ensuite remercier l'irremplaçable adjudant Broncard pour l'apprentissage dispensé durant l'initiation militaire, mais aussi son accompagnement, son soutien, ainsi que sa bonne humeur et son humour tout au long de l'année. Merci au commandant Bosmans pour son écoute et sa pédagogie. Merci au chef Passmans pour son accompagnement. Merci au lieutenant de Charneux pour ses précieux conseils et son partage d'expérience lors de nos premiers pas dans le monde militaire. Je voudrais remercier plus généralement nos cadres d'avoir organisé toutes ces activités et de nous avoir suivis, soutenus et drillés tout au long de cette année. Merci aussi de nous avoir donné la chance de passer un an à la DPERM. Merci pour le cadre de vie qu'offre le campus. Je voudrais également remercier nos camarades néerlandophones pour les moments enrichissants partagés sur le campus ou en dehors. Enfin, un grand merci à mes camarades de promotion pour les agréables moments passés ensemble. Demain commencent les épreuves à l'École royale militaire. Une journée qui s'annonce chaude en température. Mais que serait une épreuve ERM sans des conditions difficiles ? Je souhaite bonne chance à tous pour demain, pour les jours prochains, mais aussi pour votre carrière future, à l'armée ou ailleurs. L'avenir est devant nous. Je vous remercie, mon colonel, mesdames et messieurs, de votre attention. Traditioneel nodigen we op dit moment van de proclamatie enkele ouders uit om hun ervaringen over hun dochter of zoon met ons te delen. Gelukkig laat de huidige technologie het toe om hen toch aan het woord te laten. Traditionnellement, à ce moment de la proclamation, nous invitons certains parents à partager leurs expériences au sujet de leur fille ou leur fils avec nous. Heureusement, la technologie actuelle nous permet le témoignage de leurs expériences. Beste ouders, chers parents, the floor is yours. Chers parents, au nom du colonel brevetier d'état-major Abts, commandant de l'École royale des sous-officiers, nous tenons à vous remercier pour votre participation et votre confiance. Santé. Bonjour. Bonjour. Nous sommes les parents de Nasser Bekali, qui a intégré la DPERM en août 2019, si je me rappelle bien, effectivement. Nous avons constaté, ou nous constatons encore maintenant, une évolution permanente et continue dans son développement personnel. Je le vois plus sérieux, assidu et déterminant dans ce qu'il entreprend. Il a développé un sens des responsabilités très aigu. Combien ? C'est vrai que il n'hésite pas à proposer son aide à la maison, que ce soit bien en cuisine ou bien pour aider son petit frère, par exemple. Nasser a également acquis un sens des priorités plus aiguës. Ses études passent avant tout. Il s'est forgé un caractère endurant. C'est vrai que je l'ai remarqué aussi. Hein. Nasser, c'est quelqu'un qui est vraiment déterminé, donc... S'il n'est pas satisfait, il est vraiment... Il ne s'arrête pas.
Oui. Il est persévérant, je dirais. Il persévère dans cet âge. Oui. Même en week-end, il reste actif, il partage avec ses amis des activités sportives en salle. Je dirais qu'il sort de la déperme grandi, fort, fort en caractère, fort en détermination. Son objectif, et il met tous les moyens pour y arriver. Pour y arriver. Et pour cela, nous souhaitons quand même... On tient à remercier quand même le colonel, le commandant de promotion de Nasser, ainsi que son colonel. Pour le présent qu'ils nous ont offert. Merci, merci à vous. Merci. Nous sommes très honorés de pouvoir donner nos impressions sur le parcours que notre fils Alexandre a entamé à la Déperme. Un engagement au sein de la Défense ne s'improvise pas. Le niveau d'exigence y est particulièrement élevé, tant d'un point de vue physique qu'intellectuel, et à l'évidence ne s'adresse pas à tout le monde. Le tempérament d'Alexandre est tel qu'il se donne sans compter dans la poursuite des objectifs qui lui permettent d'atteindre ce qui le passionne. Cette année passée à la Déperme fut donc déterminante pour lui. Elle a permis à Alexandre d'y vivre ses premières expériences académiques, sportives et militaires, et d'apprécier par ce biais que c'était bien ce qu'il recherchait. C'est donc en pleine connaissance de cause qu'il va pouvoir passer le concours d'entrée, ainsi libéré de toute forme d'appréhension. Quand Alexandre m'a annoncé son souhait de vouloir entamer ses études au sein de la Défense, j'avoue avoir eu un sentiment très partagé. Heureuse de le voir motivé et terriblement enthousiaste, mais également anxieuse quant aux implications et aux conséquences sur notre vie de famille. De plus, en ce qui me concerne, c'était une véritable inconnue. Mais son projet, mûrement réfléchi, tenait la route et sa détermination faisait plaisir à voir. Nous avons partagé son enthousiasme toute l'année. Pour la première fois dans sa scolarité, Alexandre a eu des défis motivants et des cours passionnants. Nous ne l'avions jamais vu comme ça auparavant. À chaque retour de SAF, nous l'écoutions nous raconter ses aventures de la Déperme et des étoiles brillaient dans ses yeux. Cette passion communicative me rassure. Je ne peux que constater que mon fils est heureux et épanoui dans sa seconde famille, et ça n'a pas de prix. Je me réjouis sincèrement du parcours qu'Alexandre souhaite amorcer au sein de l'ERM et des qualités humaines qu'il y rencontrera, notamment le sens de l'engagement, l'esprit de corps, le courage ou l'endurance. Mon épouse et moi tenons à remercier tous les officiers et sous-officiers encadrants, et tout particulièrement le CSM Broncard qui a su allier autorité, fermeté, humour et franche camaraderie. J'aimerais également remercier le commandant pour cette charmante attention. Voilà, à très bientôt. Beste ouders, in naam van kolonel SBH Abt, schoolcommandant van de Koninklijke School voor Onderofficieren, wens ik u hartelijk bedanken voor jullie medewerking en het vertrouwen dat u in ons heeft. Gezondheid. Goedemiddag. Ik ben de mama van Maaike, Ighout. Toen Maaike mij in 2019 vertelde dat ze wou deelnemen aan de ingangsexamens van de militaire school, moet ik zeggen dat ik wel verrast was. Maar ik was er ook niet helemaal wild van. Ik had haar liever gewoon zien starten op een gewone universiteit. Maar gaandeweg moet ik wel zeggen dat ik mijn mening heb moeten herzien. Ik heb moeten vaststellen dat de studenten op heel veel verschillende vlakken echt wel uit hun comfortzone zijn getrokken. Zowel fysiek, maar ook op vlak van discipline. Het strikte tijdschema dat men continu dient te volgen. Op niveau van de lessen. En ook op vlak van het leven in groep. Waar er toch ook wel een veel beperktere vrijheid is voor het individu. En ik heb Maaike zeker zien groeien het voorbije jaar. Op al die verschillende dimensies. En ik moet toegeven dat ik zeker onder de indruk ben. Ik denk dat het voor ieder van hen wel een keertje heel moeilijk is geweest. Zeker ook voor Maaike. Ik denk ook dat je als meisje dubbel zo hard afziet in toch nog altijd zo'n mannenwereld. En waar je het ook wel als meisje fysiek heel zwaar hebt. Maar ik kan vandaag echt wel oprecht zeggen dat ik heel trots op haar ben.
Ik ben ervan overtuigd dat iedereen dit jaar zich wel zal herinneren en daar iets van zal meedragen in zijn verdere verloop van studies of carrière, in de positieve zin. En ik wens dan ook iedereen heel veel succes volgend jaar, maar eerst en vooral een heel fijne vakantie. Dankjewel. Dag allemaal. Spijtig genoeg kunnen we er niet bij zijn, maar er werd mij toch gevraagd om enkele woorden te zeggen over het voorbije jaar. Wat enkele jaren geleden begon als een drang naar meer avontuur, groeide steeds meer uit naar de wens om ooit voor Defensie te kunnen werken. Na een kennismakingsdag in Brussel werd het voor Olivier onmiddellijk duidelijk dat dit zijn ding was. De open deurdag aan de VDKMS en de KMS hebben daar alleen maar toe bijgedragen. Er werd vanaf toen niet enkel en alleen maar ingezet op het slagen in het laatste middelbaar, maar ook op het zo goed mogelijk doorlopen van de verschillende proeven. Het enthousiasme groeide ziende ogen. Elke keer als hij terugkwam van zo'n proef, dan was hij er nog meer van overtuigd dat dit zijn keuze ging worden. Het moest en zou het leger worden. Als voetballer was het voor hem niet zo'n grote opgave om zich voor te bereiden op de sportproeven, maar de 3 academische examens in juni brachten toch de nodige stress met zich mee. Zo vlak na de examens en de eindjaarsactiviteiten op school was het echt even doorbijten om zo goed mogelijk te kunnen scoren op die examens. Het verdict viel dan toen hij op Girokamp was. 'S Morgens rond het 8:00 kreeg ik het telefoontje dat het de VDKMS was geworden. Stiekem had ik hierop gehoopt en ik kon hem er dan ook al vrij snel van overtuigen dat dit de ideale voorbereiding ging zijn op de KMS. Half augustus was het dan zover en ook voor ons als ouder werd het al snel duidelijk dat dit een hele andere wereld was. Niet alleen de verhalen die ze wekelijks vertelden, die maakten dat duidelijk, maar ook de verandering in attitude. Regelmaat en discipline waren thuis nooit een probleem, maar plots werden de eetmomenten bijna tot op de minuut vastgelegd. Taakjes kon ik alleen nog geven als ze allemaal netjes na elkaar volgden en ik er niet te lang over moest nadenken. Naarmate het schooljaar vorderde, ontstond er steeds en alleen meer vriendschap en samenhorigheid onder de kandidaten. Dit gingen vrienden worden voor het leven. L'Union fait la force ook tijdens de woensdagavonduitstapjes. Zowel Walen als Vlamingen trokken dan in groep naar het jeugdhuis, waar de sfeer en de inkomsten van die mensen elke week meer en meer stegen. En toen kwam corona. Zoals overal werd in het leger ook alles on hold gezet. De geplande vormingen, de excursie naar Lourdes, de recenfijne activiteiten gepland in het voorjaar, vielen allemaal in duigen. Maar het ergst van al was het missen van de kameraadschap. Vanop een afstand verliep alles vrij vlotjes. Er werd nog steeds hard gewerkt, maar het groepsgevoel, de band die ze samen gecreëerd hadden, de dagelijkse structuur die ze ondertussen zo gewoon waren, was toch een groot gemis. Ook al waren de maatregelen bij terugkomst nog ernstig, toch werd er enorm uitgekeken naar die terugkomst op Safraanberg. En nu staan onze kinderen voor de volgende opgave en zijn ze klaar om een ingangsexamen te doen. Na dit jaar, dit bijzondere jaar, dat onze jongens en meisjes heeft omgevormd tot jonge mannen en vrouwen, zou ik dan toch nog een dankwoordje willen richten tot alle betrokkenen die ik bewust niet ga opsommen omdat ik anders een aantal ga vergeten. Aan jullie allen een oprechte dank u wel om onze jongens en meisjes de onvergetelijke ervaring te geven die ze nodig hebben om een carrière in het Belgische leger op te bouwen. Aan alle kandidaten van de lichting 2019-2020 alvast heel veel succes met de examens en een fijne toekomst. Bedankt voor de attentie. Tot ziens.
Sascha, ik ben er klaar voor. We zijn er klaar voor vanmorgen de ingangstesten. Nadine de Kietes, nadien klaar voor de nieuwe lichting 2021. Kietes, 2021, top. DP Tech, tout est préparé. Déperm pour l'année prochaine, tout est préparé. Hopelijk maakt iedereen morgen een goed examen, top. Ben voilà, ben comme je vois que tout est prêt pour l'année prochaine, que tout est terminé pour cette année, ben je n'ai qu'une chose à dire. C'est les vacances, c'est les vacances, c'est les vacances. Donc, en avant. En avant. Un petit masque pour se protéger. Et une petite paire de lunettes pour se protéger. Mon commandant, messieurs, bonnes vacances. Bonnes vacances. Beste ouders, chers parents, merci de votre témoignage. Dank u voor uw getuigenis. Ik nodig nu commandant van het vliegwezen Jean-Paul Bosmans uit voor zijn laatste toespraak aan de leerlingen VDKMS. J'invite maintenant le commandant d'aviation Jean-Paul Bosmans pour sa dernière allocution aux élèves des Perm. Chers élèves des Perm, beste leerlingen VDKMS. Na de mooie getuigenissen van onze promotieoverste, de bemoedigende woorden van enkele ouders en vooral een mooi filmpje van heel befaamde acteurs, wordt het stilaan tijd om afscheid te nemen. Maar even iets anders. En tant que commandant de compagnie de la Déperm, je voudrais vous demander d'applaudir toutes les personnes qui nous ont aidés de réaliser cette proclamation particulière en ces temps exceptionnels. Les gens du S5, en particulier nos photographes, les gens du CIS et les CIS, les gens de la DG Stratcom et tous ceux que j'oublie maintenant. Merci. Uitzonderlijke omstandigheden, uitzonderlijke mensen. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iemand speciaal in de bloemetjes te zetten. Adjudant-majoor Sven van Heuvel is sinds jaar en dag kind aan huis om ons te versterken als onderofficier-reservist. Bij elke gelegenheid vragen wij achter zijn diensten en hij gaat daar graag op in. Helaas, op 60-jarige leeftijd zijn er veel mensen die denken aan stoppen met werken. Sven niet. Adjudant-majoor Van Neuville heeft namelijk eind vorig jaar zijn contract als reservist verlengd voor 1 jaar. En nu we dit jaar heel veel activiteiten hebben moeten schrappen, zit de kans er misschien in dat hij volgend jaar er nog een jaartje bij doet. Wie weet. Adjudant-majoor Van Neuville Sven, mag ik je even vragen naar voren te komen, evenals de kolonel Abts, om het moment van dank u wel eventjes vast te leggen op de gevoelige plaat. Sven, bedankt.
Voilà, nous arrivons à la fin de la proclamation, mais j'aimerais encore partager quelques pensées avec vous. Il y a 10 mois, la plupart d'entre vous avaient commencé une aventure militaire inoubliable à la Déperme. Nous savions que ce serait une année avec beaucoup de défis, mais nous n'avions jamais osé penser que cette année serait exceptionnellement difficile. En janvier, nous avons pu intégrer quelques nouveaux élèves dans une Déperme New Style, un premier cas d'essai visant à intégrer des jeunes enthousiastes dans la formation existante, peut-être qualifiée de petit succès. Y a-t-il de l'intérêt? La publicité a-t-elle eu des effets? La chaîne de recrutement et de sélection est-elle prête? Sommes-nous, en tant que organisme de formation, capables de maintenir la qualité de la formation à un niveau très élevé? La réponse était oui. Et nous nous mettrions encore plus à l'épreuve, ainsi que vous, par une troisième incorporation de la Déperme au mois d'avril. Les candidats sous-officiers techniques seraient également les bienvenus. Nous les attendions avec impatience. Qui viendra? Comment se passera l'intégration? Comment nos élèves vont-ils faire face à cette situation? Malheureusement, un virus l'a planifié différemment. Une période difficile pour nous, pour vous, pour toute la société, mais je peux dire avec une grande fierté que nous avons tous réussi à travailler ensemble, de manière constructive, oui, parfois de manière inventive. Je vous remercie pour tout cela. Il semble que nous célébrons, après une longue et intense période d'instruction, la fin de votre formation. Mais, en fait, nous célébrons le fait que nous pensons que vous êtes prêts pour les prochaines étapes. L'objectif ultime pour tout le monde est bien sûr l'examen d'admission à l'IRM et une formation unique en tant qu'officier à la Défense. Comme votre commandant de compagnie, je serais très fier si 62 élèves pouvaient s'appeler candidats officiers au mois d'août. Mais pour certains d'entre vous, il y aura peut-être un autre avenir prometteur. Il est fort probable que vous ne vous serez jamais préparé mieux, plus longtemps et surtout plus intensivement pour un seul but. Les connaissances que vous avez acquises grâce à vos enseignants et l'énorme valeur militaire que le cadre vous a enseignée ne sera jamais perdue. Les amitiés qui ont surgi cette année ne seront jamais déconnectées de la Déperme. Vos premiers pas à la Défense ne seront jamais plus effacés. Vous avez démontré cette année que vous avez la maturité, le dévouement et la persévérance nécessaires pour réaliser vos rêves. N'oubliez pas que vos anecdotes militaires ont commencé ici, à l'IRSO. Laissez le passage dans la Déperme marquer un moment inoubliable dans votre vie. Les CSM, les enseignants et moi vous souhaitons bonne chance, non seulement cette semaine, mais aussi dans votre vie ultérieure. Nous sommes très fiers de vous. 10 maanden geleden startte voor de meesten onder jullie een onvergetelijk militair avontuur aan de VDKMS. We wisten dat het een uitdagend jaar zou worden, maar hadden nooit durven dromen of vermoeden dat we vandaag terug zouden blikken op een uitzonderlijk jaar. In januari konden we enkele nieuwe leerlingen integreren in de VDKMS New Style. Een eerste testcase om enthousiaste jonge mensen te integreren in de bestaande vorming mag vandaag een klein succes genoemd worden. Is er interesse? Is de keten van selectie en recrutering er klaar voor? Zijn wij als vormingsorganisme in staat om de kwaliteit van de vorming zeer hoog te houden? Het antwoord was ja. En we zouden onszelf en jullie nog meer op de proef stellen door een derde inlijving in de maand april. Ook de kandidaat technische onderofficieren waren dan welkom. We keken er naar uit. Wie komt er? Hoe zal de integratie verlopen? Hoe zullen onze leerlingen hiermee omgaan? Helaas had een virus het anders gepland. Een moeilijke tijd voor jullie, voor ons, voor de hele maatschappij.
Maar met veel trots mag ik stellen dat we allemaal samen erin geslaagd zijn om op een constructieve, ja, soms een inventieve manier samen te werken. Bedankt aan iedereen hiervoor. Het lijkt dat we vandaag, na een lange en intense periode van vorming, het einde van jullie opleiding vieren. Maar eigenlijk zijn we hier samen omdat we denken dat jullie klaar zijn voor de volgende stappen. Het ultieme doel voor iedereen is natuurlijk het toelatingsexamen, KMS, en een unieke vorming tot officier van Defensie. Als jullie compagniecommandant zou ik er zeer trots op zijn als alle 62 leerlingen van de VDKMS zich in augustus kandidaat officier mogen noemen. Maar voor sommigen onder jullie is misschien een andere, veelbelovende toekomst weggelegd. Waarschijnlijk zullen jullie je nooit langer, beter en vooral harder voorbereid hebben op één doel. Nooit zal de kennis die jullie van de leerkrachten meekregen en de normen en waarden die het kader jullie aanleerden, verloren zijn. Nooit zullen de vriendschappen die jullie dit jaar met elkaar laten ontstaan hebben, losgekoppeld worden van de VDKMS. Nooit zullen jullie de eerste stappen binnen Defensie nog gewist kunnen worden. Jullie hebben dit jaar getoond dat jullie de nodige maturiteit, inzet en doorzettingsvermogen hebben om jullie dromen waar te maken. Jullie militaire anekdotes zijn hier in de KSO begonnen. Laat de passage in de VDKMS een onvergetelijk moment in jullie leven betekenen. Zowel de CSM's, alle leerkrachten als ikzelf wensen jullie allemaal veel geluk toe. Niet alleen deze week, maar ze eveneens in jullie verdere leven. Wij zijn trots op jullie. Veel succes, ga jullie goed. Beaucoup de succès, bonne chance à vous. Merci. Willen de leerlingen nu recht staan om de nationale hymne te zingen? Chers élèves, veuillez vous lever pour chanter l'hymne national. Oh. Da. Hiermee beëindigen we de proclamatie 2019-2020. Helaas kunnen omwille van de vigerende COVID-19-maatregelen de traditionele receptie en gezamenlijke maaltijd niet doorgaan. We danken iedereen voor het begrip hiervoor en vooral voor jullie belangstelling en aanwezigheid, zowel hier in de zaal als thuis. Mag ik u vragen recht te blijven voor het vertrek van de autoriteiten? Ainsi se termine la partie officielle de la proclamation 2019-2020. Malheureusement, à cause des mesures actuelles de COVID-19, la réception traditionnelle et le repas commun ne peuvent pas avoir lieu. Nous remercions tout le monde pour la compréhension et surtout de votre intérêt et votre présence, ici dans la salle ainsi que chez vous. Mesdames et messieurs, puis-je vous demander de rester debout pour le départ des autorités? Ik dank u voor uw aandacht. Je vous remercie de votre attention.